Donc, on va le dire, on bagaille là. Est-ce que nous connaissons tout président qui prêtait serment dans le pays de après 7 février 88, tout inconstitutionnel? Pour qui ça? C'est parce que, quand on se cette date, dit tout après 7 février 88, il est clair dans la Constitution, il précise la date là, oui. Il dit après 7 février 88, tout président qui pral gagner pour prêter serment sous empire constitution ça, c'est conseil électoral permanent qui pour faire élection. Il dit seul monde qui prêter serment constitutionnellement qui sorti de qui gon certificat dans mail qui signé par un conseil électoral provisoire, c'est Maniga. Et après ça pas ta supposé gagner conseil électoral provisoire encore, tout ta supposé permanent.